Bien le bonjour jeunes gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Katawa Shoujo, la route de Shizune. Dans la dernière vidéo, on a vu surtout une grosse discussion avec Shizune puisque Misha était absente, un mal de ventre bien sûr. Donc on a passé la journée à deux avec Shizune, donc d'abord en classe, ensuite dans la salle du conseil des étudiants où voilà, Isao avait voulu s'expliquer avec elle. Finalement il avait pas réussi à dire ce qu'il voulait dire et c'est pour ça qu'il avait... Enfin, la conversation avait dérivé, ils ont parlé de choses et d'autres, mais l'éloignement de Shizune, donc de sa propre perception, n'a pas été en tout cas évoqué. Donc on va voir ce qu'il va advenir de cette prochaine vidéo. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, comme je le disais, il faudra qu'il lui dise si vraiment ça le perturbe, mais il devra passer par ça, quoi. Le jour suivant, je vais jusqu'à mon distributeur habituel durant la pause déjeuner, et il est à court de ma boisson favorite. Je l'avais gardée secrète des autres pendant longtemps, cachée entre un local de stockage et la bibliothèque. D'accord. Ma boisson favorite. Alors c'est bizarre. Parce que quand tu dis qu'elle est ce qui est caché entre le local de stockage et la bibliothèque, c'est plus le distributeur que la boisson. Donc ça devrait pas être au féminin, bref. Ah, la machine, ouais, si tu veux, mais bon, faut le dire, quoi. Je m'attendais à ce qu'une machine aussi proche de la bibliothèque soit toujours très utilisée, mais pourtant, la bibliothèque est vide la plupart du temps, et ceux qui y vont le font seulement pour trouver un document. Personne ne reste le plus longtemps qu'il n'en a besoin. Durant le dernier mois, cela m'a été favorable, mais le problème avec une machine que personne ne connaît est qu'elle n'est jamais réapprovisionnée. Ah, forcément. Choisissant un soda à l'orange, je décide de le boire ici plutôt que d'attendre d'arriver à la cafétéria. Et c'est à ce moment que la porte de la bibliothèque s'ouvre à côté de moi. Non, s'il te plaît! Ah. Tant pis. Ah. Je te l'ai cherché. Yuko semble être beaucoup plus sûre d'elle que d'habitude aujourd'hui, bien qu'elle retourne à son marmonnement juste après. Ramène tes livres, s'il te plaît. Je veux dire, les livres de la bibliothèque. Tu es vraiment en retard pour les rendre et certains ont été réclamés. Oh, j'ai oublié. J'arrête pas d'en prendre de nouveaux et d'oublier de rendre les anciens. Ça m'arrive tout le temps à la bibliothèque de l'université. C'est vraiment embarrassant. Ils envoient quelqu'un pour que tu les rendes? Non. La bibliothèque de l'université est plus grande. Ils ne se rendent pas compte si quelqu'un emprunte un livre trop longtemps. C'est pratique, leur politique sur les livres en retard est vraiment stricte, bien plus qu'ici. J'aime bien que malgré ce qu'elle dit, Yuko n'ait pas de problème avec le fait d'emprunter les livres plus longtemps qu'elle n'est supposée le faire. Ça la rend un peu hypocrite sur son retard. Il faut un voleur pour rattraper un voleur, j'imagine. Comprenant le sens de ces mots au même moment que moi, Yuko essaie de se rattraper comme elle peut. C'est différent de cette situation, c'est totalement différent. Yuko regarde ses ongles une seconde comme si elle avait vraiment envie de les ronger, mais elle n'est trop consciente pour le faire. J'ai du mal. D'ailleurs, ça fait combien de temps? Tu as emprunté certains de ces livres il y a des mois, Isao. Désolé, c'est juste que d'autres personnes veulent les lire aussi. Si tu es long à lire, c'est pas grave, cela dit. Non, c'est totalement ma faute. Pour être honnête, il y en a que je n'ai même pas lu. Je ne devrais pas continuer d'emprunter des livres quand j'en ai pas lu certains. C'est pas bien. Ouais, vraiment pas. Maintenant, je commence à imiter son habitude de devenir silencieuse en fin de phrase. Sa gêne est vraiment contagieuse. Cela dit, je suis surpris. Yuko semble presque normal aujourd'hui, bien que de temps en temps, ses tics nerveux de serveuse reviennent. En y pensant, elle n'agissait pas comme ça quand je l'ai rencontrée la première fois. Elle était un peu étourdie et nerveuse, mais c'était pas aussi sévère que quand Shizune, Misha et moi l'avons vue au Shanghai. Peut-être que Yuko a un complexe avec le fait que les enfants de l'école la voient en serveuse. C'est un peu bizarre de choisir le café le plus proche de l'école comme lieu de travail. Dans ce cas, peut-être que le fait qu'il y ait si peu de clients est considéré comme une pause pour elle. Bon, j'ai compris, je les rendrai après les cours. Aussi vite que possible, s'il te plaît. Attends, je peux te demander une dernière chose? Bien sûr, quoi donc? Je dois partir pour un petit moment, mais je ne peux pas laisser la bibliothèque sans surveillance. Désolé, ça te gênerait de la surveiller, juste pour un petit moment. Tu dans le conseil des étudiants, je suis sûr que ça ira. D'accord, je vais le faire, tac. Merci. Yuko s'avance rapidement comme si elle était reconnaissante. Ah, reconnaissante. Qu'elle était sur le point de me serrer dans ses bras. Mais elle s'arrête 2 cm avant, ce qui rend le geste extrêmement confus. Je suis surpris qu'elle réussisse à se contrôler aussi brusquement vu qu'elle est quelque peu maladroite. Avant que je ne puisse dire de rien, elle est déjà en train de courir jusqu'à la sortie comme si elle était en retard à un rendez-vous. C'est peut-être le cas, mais j'en suis pas sûr. C'est Yuko, elle semble être le genre de personne à tout traiter de cette façon. T'aurais pu simplement... Mince, pardon, il fait un peu sombre. T'aurais pu sinon simplement la fermer à clé.
Maintenant que je suis dans la bibliothèque, je me sens un peu bête. Je ne sais pas vraiment ce que je suis censé faire. Est-ce que je dois m'asseoir et lire normalement comme je le ferais? Non, c'est pas ce que ferait Yoko. Peut-être que je devrais m'asseoir au bureau de la bibliothécaire et adresser à tout le monde un regard sévère et analytique. J'utilise celui de Chizune comme référence et m'entraîne sur la surface miroir d'un stylo. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ce qui est frustrant, c'est que personne ne rentre, donc j'abandonne vite l'idée et décide de chercher Anako à la place. C'est désert. Je crois voir quelqu'un, mais à la seconde où je cligne des yeux, ce quelqu'un est disparu. Au moment où j'ouvre un livre, qui me semble intéressant, une personne familière apparaît devant le bureau comme un fantôme. Kenji. Yo, bibliothécaire! Je vous ai chargé pendant genre 10 minutes. Quoi? C'est toi? Mec, tu dois vraiment t'ennuyer. Le conseil des étudiants doit te forcer. C'est pétasse. Comment ose-t-elle? Esclavagiste! Il doit exagérer parce que ça m'a pris 30 secondes à faire le tour de l'endroit en marchant lentement. Cette pensée est dominée par ma surprise de le voir. Ouais, si tu mets 10 minutes, c'est grave. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Un homme ne peut plus aller à la bibliothèque maintenant. Je ne peux même plus aller à la bibliothèque sans qu'un mec comme toi me tombe dessus. Je vois une fille venir ici tout le temps. Et personne ne lui demande jamais rien à elle. C'est parce qu'elle lit et moi non. Il doit parler de Anako. Bien qu'ils évitent tous les deux les gens, j'ai bien envie de lui dire que lire est ce qui se fait généralement dans une bibliothèque. Donc s'il ne lit pas, quoi qu'il fasse ici le rend plus suspect qu'elle. En fin de compte, je suis surtout surpris parce qu'il est apparu de nulle part. Ça me dit pas ce que tu fais là. Je suis là à cause de toi. Sa réponse me perturbe un peu. Je pense que je me suis endormi et que tout ça n'est qu'un rêve bizarre et que Kenji n'est pas réel, mais juste mon subconscient. Est-ce qu'il va me donner des conseils profonds et vagues maintenant? À cause de toi, je me suis fait chasser... Pourquoi? Pourquoi tu t'es fait chasser des dortoirs? Maintenant, je me suis fait chasser des dortoirs par des féministes. Maintenant, j'erre dans la bibliothèque comme un soldat sans patrie ou un fantôme. Je devrais te hanter pour m'avoir fait ça. Dommage. Ça aurait été un rêve intéressant, mais apparemment c'est réel. Ouais, il a fallu que tu travailles avec des femmes et ça les a amenées à ma chambre. Tu te rappelles? Tu devrais, vu que tu y as... Après ce jour, j'ai su qu'elles étaient après moi. J'ai dû suivre mon instinct, mais j'étais jeune et stupide. Attends, mais je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, j'ai pas compris en fait. Bref. Puis, mon père m'a appelé. Il m'a dit qu'une de mes lettres ne leur était pas parvenue. La poste n'aurait pas pu la perdre, donc elle a dû être interceptée. Garde de renseignements. C'est là que j'ai su que ma cachette secrète avait été compromise. Maintenant, je suis en cavale, comme un fugitif. Code rouge! Les chambres ne sont pas secrètes. Ils mettent ton nom et ton numéro de chambre sur un tableau à l'entrée. Je sais, j'ai vu. Elles sont diaboliques. Pourquoi ne pas mettre un grand avis de recherche comme dans le Far West qui t'a fait ça? Rechercher, mort ou vif, probablement vif, pour qu'elles puissent me cloner ou me transformer en sauterelle. Se précipitant sans prévenir sur la chaise vide en face de moi, Kenji sort une cigarette et commence à la faire tourner entre ses doigts. Je ne l'ai jamais vu fumer auparavant, donc ça doit être pour le genre que ça donne. Je ne peux même plus vivre où je vais maintenant. J'ai pas un truc pour faire style, j'ai une clope. J'ai presque un truc. J'ai... Ah, ça va faire la phare. En gros, voilà, c'est des médocs, on s'en bat les couilles. Voilà. Je ne peux même plus vivre où je veux maintenant. C'est là que tout commence. Quelle brillante tactique. Je veux dire, une fois qu'elles sont dans ta chambre, c'est fini comme des termites. C'est là que commence le plan féministe. Où est-ce que je peux aller maintenant? La seule question... En fait, c'est trop fort, j'ai l'impression. La seule question maintenant est comment est-ce qu'elles peuvent agir comme des termites quand elles sont naturellement repoussées par le bois. Tu ne pourras plus jamais rentrer chez toi, c'est ça? Mec, je sais pas trop. Je vivais là. Je ne sais pas d'autre où je pourrais me laver ou avoir de nouveaux vêtements. Et manger. Et utiliser les toilettes. Et regarder la télé. Je dois continuer de regarder des informations pour me tenir informé. Pour quelqu'un expulsé de sa chambre et vivant comme un fugitif, il n'a pas de problème à l'aider d'y retourner plusieurs fois par jour. Mais là, il s'est légèrement détourné de moi et parle avec un air à résoudre des crimes. Ça ne sert à rien de l'interrompre maintenant. J'ai fini mon soda et le jette dans une poubelle proche de la porte. La canette se cogne contre le bord mais rentre quand même. Fier de moi. Kenji se lève rapidement et se dirige vers la porte. Je ne faisais pas vraiment attention. J'espère qu'il ne m'a pas vu faire une drôle de tête. Où est-ce que tu vas? Tu n'arrêtais pas de t'enfiler ton jus de fruits. Et alors? C'est même pas un jus de fruits, c'était un soda. J'ai fini maintenant. Et comment ça enfiler? J'ai dû boire deux gorgées. Ouais, bien sûr. Tu as bu genre 50 millions de gorgées. C'est impossible. Peut-être pour toi. Je vais tout le temps au-delà de l'impossible. Bon, peu importe. Maintenant, je sauve moi aussi. Je vais me prendre mon propre jus de fruits. Je reviens tout de suite. Il revient effectivement tout de suite, si apparemment je le suspecte de connaître mon distributeur secret. Je t'en ai pris une aussi. J'espère que t'aimes le jus de raisin. On est quitte pour la pizza maintenant. Merci. Donc, il nous a enfin remboursé. Oui!
J'ai envie de lui dire que ce que je lui ai prêté coûtait au moins 10 fois le prix d'une canette, mais ça ferait un peu radin. Kenji s'assoit et commence à boire son jus de raisin comme un homme furieux faisant une vendetta contre le raisin. Tu sais, c'est cool que je t'ai trouvé ici, mec. J'ai besoin que tu me rendes un service. Bien que ce soit cynique, je me demande s'il m'a pris un jus de fruits pour pouvoir me demander sa faveur. Si c'est le cas, c'est assez flagrant. Je doute que Kenji pense à mal à ce point-là, cela dit. Demander des choses directement lui ressemble plus. J'ai besoin que tu me recommandes des livres. Mais je croyais que tu lisais pas. Comment tu sais? Tu me l'as dit. Tu as dit que tu pensais que les gens avaient un comportement discriminatoire avec toi parce que tu ne lisais pas. C'est le cas. Et je lis. Je lis des livres audio, parce qu'ils sont la manière de faire du futur. Je dois lire au moins un livre par mois le parcours de littérature. Je dois lire un livre par mois pour le cours de littérature. J'ai découvert que l'école n'avait pas de classiques tels que la cryptographie avancée. Si je ne lis pas un tas de bouquins, ils me feront échouer. Je ne peux pas échouer en littérature. Ça voudrait dire que je suis illettré. Ça voudrait dire que ma mère a raison. Ma mère ne peut pas avoir raison. Je dois étudier la littérature autant que possible. Et si tu faisais en sorte d'avoir des crédits supplémentaires? Non merci. C'est déjà assez dur comme ça. Maintenant que j'ai apporté ces trucs stupides. Il ramasse un dictionnaire, le feuillette et le place sur l'étagère des meurtres mystérieux derrière lui. J'arrive pas à croire que c'était le média que nos ancêtres utilisaient pour regarder du porno. Je renverse ma boisson sur le livre que je suis en train de tenir, l'endommageant bien trop pour pouvoir l'arranger. Je regarde au dos du livre et vois que le prix de vente conseillé est de 7900 yens. 7 900, 790, 60. Donc ça coûte genre quelque chose comme 60 euros. On va vérifier une fois de plus. 62 euros. Effectivement, ça fait mal. Je crois que je vais avoir une crise cardiaque. Waouh, détruit. Tu n'aurais pas dû faire ça, mec. Ils prennent le vandalisme super au sérieux ici. Tu vas te prendre des coups de canne. Il rit un peu amusé avant de prendre une extrêmement longue et bruyante gorgée de son jus de fruits. C'est pas du vandalisme, j'ai pas fait exprès. Tu m'as fait faire ça avec tes mots. Et c'est quoi cette histoire de coups de canne? Je veux pas prendre de coups de canne. Attends, calme-toi, ils ne le font pas vraiment. Ils vont juste te faire payer et te crier dessus, vraiment, vraiment fort. C'est comme s'ils allaient t'étriper. Pas grand chose. Je m'en fous si c'est pas vrai. Je veux pas me prendre de coups de canne ou me faire étriper ou quoi que ce soit, espèce d'idiot. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis la seule personne ici. Quel sage du moins. Ah oui, ok, Yuko. Je peux même pas acheter de livre dans la poubelle, il sera retrouvé, elle le saura. Ça va, mec, arrête d'être aussi bizarre. En quoi c'est bizarre de ne pas vouloir d'amende? Mec, arrête de flipper, mec. Je ne flippe pas, j'essaie juste de garder mon argent. Radin. Je suis sur le point de l'étrangler quand j'entends le wa-ha-ha de Misha venant du couloir. Apparemment, Kenji l'entend aussi et profite de l'opportunité pour disparaître rapidement dans la section autobiographie, comme le vent. Salut, Chan. Misha crie avec exubérance, traînant une Yuko embarrassée derrière elle. Et Chan, tu parlais tout seul? D'un côté, dire oui me ferait passer pour un fou. D'un autre côté, si je dévoile la présence de Kenji, il pourrait sortir et me faire passer pour un fou. Oui. C'est pas grave, ne sois pas embarrassé, Chan. Ça m'arrive aussi des fois quand je suis seul. La 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 la. Rien ne t'est arrivé quand j'étais parti? Absolument rien. Ça sent le raisin? Je porte de l'eau de Cologne, odeur raisin. Je mens éhontément. D'après sa réaction, j'allais finir par penser qu'elle sait que je mens ou qu'elle croit que j'ai un goût horrible pour l'eau de Cologne. Vu que la brique de jus de fruits que j'ai bu est encore là, elle le sait sûrement. Heureusement, elle ne cherche pas plus loin. Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux? On a déjeuné ensemble, strictement professionnel, un déjeuner professionnel. J'essaie d'imaginer Misha dans un costume faisant un déjeuner professionnel avec quelqu'un. J'ai vraiment du mal. Pour quelle raison? Tu ne sais pas? C'est rien. C'est normal pour un membre du conseil des étudiants de ne pas savoir tout ce que le conseil fait. Et ne dis pas rien pour quelque chose comme ça. C'est pas normal du tout. En fait, non, c'est vraiment pas bon. On est seulement trois. Yuko rit nerveusement. Elle doit être terrifiée. Misha dit que tu veux mettre des affiches dans la bibliothèque pour les élections. Même si c'est dans vraiment longtemps, je pense que ce n'est pas un problème. Je ne savais même pas que je pouvais décider de ce genre de choses. Tu peux, c'est pas super. Tu n'es pas contente? Ah ouais, oui. Misha attrape les mains de Yuko et la force à applaudir joyeusement. Yuko ne semble pas très joyeuse de savoir qu'elle a plus de pouvoir et de responsabilité qu'elle pensait à l'origine. Etienne, vu que tu es là, tu peux m'aider à les mettre. Sortant une pile géante d'affiches de son sac, mais ça va, c'est une bibliothèque, genre tranquille quoi. Elle prend la moitié, me passe la moitié légèrement chiffonnée.
Chichan a une très bonne idée. On pourrait mettre des flyers dans les livres aussi. Comme ça, même si les gens essaient de nous ignorer, ils ne pourront pas. Ça pourrait même être des flyers à ressort. Non mais... Mais j'ai fait de son mieux. Pour imiter le ton de Chizune. C'est assez proche et un peu menaçant. Elle plaisantait sûrement. J'ai bien aimé, moi. Non, s'il te plaît, pas ça. Une super ultra agressive forme de marketing blitz. On pourrait faire du porte-à-porte aussi. C'est une terrible idée. Misha fait la moue comme le fait Chizune, entrechoquant ses doigts d'énervement. Mais Ichan, tu trouves que chaque idée est terrible? Ouais, mais cette idée est trop terrible. Trop terrible pour être ignorée. Je ne peux pas faire ça. Ichan, on dirait presque un challenge. Mutinerie, mutinerie. La mutinerie est une mauvaise chose. Ne vous battez pas. Non mais putain. Oh, j'ai envie de te donner des baffes. Oh. J'ai plaisanté juste. D'accord. Ne vous battez pas. Ouh là, ça va partir. La façon Kayuko d'être ferme me rappelle un peu un professeur de maternelle. Je suppose que ça la rend très persuasive à sa façon. Accrocher les affiches est étonnamment dur parce qu'il y a déjà beaucoup d'affiches et de flyers tous les quelques mètres. Certains des endroits improbables et que je ne les avais jamais remarqués auparavant. Décider lesquels d'entre eux je vais retirer pour mettre les nôtres n'est pas difficile mais prend beaucoup de temps. Au moment où la cloche sonne, signalant la fin de la pause déjeuner, Micha et moi avons encore pas mal d'affiches. Alors que nous partons, je décide d'en mettre une juste à la porte. Elle a dû être faite par Micha et un petit de... Elle a dû être faite par Micha. Elle a un petit dessin de Chizune dessus. D'accord. Eh bien écoute, ma foi, bam! Sauvegarder. Bam! Parfait. Est-ce qu'on est... Quelques jours plus tard. Parfait. Eh bien écoutez, encore une vidéo. Bon, celle-ci n'était pas foncièrement intéressante. J'ai pas non plus beaucoup de choses à dire dessus. Clairement, je vais pas m'éterniser. Genre, on a pu parler avec Kenji. Bon, là, il était clairement dans son délire féministe. C'est limite dommage parce que... En gros, avec les dernières discussions qu'on a eues avec lui, enfin genre, avec les deux grosses discussions qu'on a eues avec lui, je pensais vraiment que cette route, on allait pouvoir devenir, tu sais, vraiment proche et tout. Là, j'ai l'impression qu'on est retourné un peu à la case départ. Pas forcément le fait qu'il ne parle plus jamais de son complot féministe, pas plus que ça. Dans le sens où je me suis dit, bon, peut-être que voilà, maintenant Isao, c'est bon, il a compris un peu la personnalité de Kenji, mais ils peuvent parler, genre, tu sais, bien l'apprécier quand même. J'ai l'impression qu'il est toujours à le considérer comme la première fois qu'il l'a vu, donc je sais pas trop par rapport à ça, c'est un peu dommage, mais je me dis, bon, si c'est que ça, c'est pas foncièrement très grave. Puis voilà, après, bon, bah, Micha, bibliothécaire, pas grand chose de dire, pas grand chose à dire de plus, en vrai, en soi, je vais pas m'éterniser. Voilà, une vidéo aussi purement dans la transition. J'attends de voir quelle va être la prochaine grosse journée et ce qu'il va se faire dedans, puisqu'il n'y a pas Chizune dans celle-là, donc assez intriguant. Mais écoutez, je vais m'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très prochainement pour la suite de la route de Chizune. Je vous dis ciao, bye bye, portez-vous bien à la prochaine, d'accord, bisous.